Quand on a su que Michel préparait une œuvre éminemment personnelle sur sa vie, une œuvre théâtrale pour la Licorne, avec des collaborateurs comme Vincent Legault, Philippe Brault, Alexia Burgère, Claude Poisson, Jean-Simon et moi, on a d'abord été profondément jaloux. Et puis, après quelques bonnes inspirations et un peu de réflexion, on a pris le téléphone puis on l'a contacté pour l'inviter à poursuivre sa série de représentations chez Duceppe, ce qui devrait nous permettre de découvrir un Michel Rivard plus intime que jamais. Au lancement de Duceppe, je pense que Michel Rivard a parlé de son show de manière impeccable. Il a dit « Habituellement, je sortais un album, donc je travaillais mes chansons, puis après ça, j'ai intégré un ou deux monologues pour lier les chansons de l'album. » Là, il a envie de faire l'inverse. Il a eu envie, en fait, d'écrire un monologue et d'ajouter des chansons qui allaient lier, justement, ce monologue-là. Michel Rivard revient à sa jeunesse, à la rencontre foudroyante entre ses parents, à qui il est vraiment, à ses origines. Il cherche sa vérité. Bref, c'est un spectacle très touchant qui mêle anecdotes, humour, chansons et poésie. C'est à voir.